enfants. Je voulais te dire quelque chose. Je sais pas comment je vais dire ça. Non, vas-y, y a pas de souci, vas-y. Tu es sûr? Ouais, vas-y, vas-y. Tu sais, la fois dernière, quand on avait fait ça là, ouais. On n'avait pas porté. Toi, si tu sais, tu connais pas. Non, j'ai fait le test et plus c'est positif. Test de quoi? De sida, d'épilepsie, bien de quoi? Grossesse. Quoi? Non, non, c'est rien. Est-ce que... Non, non, c'est rien. Juste que... Maintenant, on va faire comment? On ira voir mon père, non? Seigneur, donne-moi la patience, parce que si tu me donnes la force, je vais les tuer. Non, c'est pas que j'ai peur. Toi, mais tu sais que je suis un étudiant, j'ai pas d'argent. Comment je vais le voir? Qu'est-ce que je vais lui dire? Tu veux qu'il m'enferme? Moi, je peux t'enfermer, je t'assure. Si Charmaine annonce la bonne nouvelle à mon père, là, je vais être contente parce que depuis là... Je vais avoir un petit fils, je peux qu'il va l'appeler grand-papa, tu vois. Donc si on annonce comme ça, voilà. C'est pas ton père le pasteur? Oui, c'est le pasteur, voilà. Toi, si tu sais, toi, Bino, il est un pasteur, un homme généreux. Donc si on le voit, maintenant, il va accepter. Je te jure, il n'est pas peur là. Allons-y, c'est ce qu'il fallait me dire. Pardonner son prochain. Il faut pardonner. Quoi qu'en soit ce qu'on va te faire. Quoi qu'en soit. Même si on marche ta tête ou même si on marche tes pieds ou. Faut toujours pardonner. Faut toujours pardonner. Tu vois, c'est ce que le Seigneur Jésus nous invite à faire. Pardonner nos prochains. Tu comprends? Quoi qu'en soit ce qu'on te fait. Quoi qu'en soit. Hein? D'accord. Quoi qu'en soit. Just like the fajita. I write what I live. My life in the speaker. I'm nice with the flow. Just like the demeanor, I'm feeding my fam. Oui? Monsieur, papa. Qu'est-ce qu'il a dit, papa? J'ai entendu. Mais là, il y a quoi? Je veux vous dire quelque chose. I don't want peace. I want problems, always. Je suis enceinte. Quoi? Jesus, Jesus. Je suis enceinte, papa. Tu es enceinte? Oui. Donc tu peux continuer avec la parole de Dieu. Voilà. Donc à la maison tu vas continuer avec la parole de Dieu. Faut toujours pardonner, hein. Faut toujours pardonner. Ah non, on peut pas garder la Bible. Non. Là, je vais faire ça sans Dieu. Je peux gérer cette situation sans Dieu. Sinon, c'est votre bénédiction, frère. Ou bien, hein. Et c'est qui l'auteur déjà? C'est moi. Oh, c'est toi qui as fait ma vie. Ah bon? Oui. Mais quel esprit qui t'a animé? Non, papa. C'est parce que vous êtes gentil, vous êtes généreux. En même temps, ma période de vous, je me suis dit oui, que c'est ça qu'il me faut pour la vie. Ah, oui, non, je suis généreux, je suis généreux. Ah oui, papa, un homme comme d'habitude. Dieu, voilà, comme d'habitude. C'est ce qu'on va voir. Vous deux.